Yanni Marshall, Star Academy, très proche d'Hélène Pompeau, ils des clichés qui en disent long sur leur complicité. Au château de Damary-les-Lys, les élèves ont la chance d'apprendre aux côtés de professeurs dont la réputation n'est plus à faire. Entre Adeline Tognutti, coach vocal spécialisé dans le lyrique, Pierre de Brouet, professeur de théâtre expert en improvisation, Laure Ballon, ancienne danseuse nommée professeur d'expression scénique, Yanni Marshall, chorégraphe reconnu, et le directeur Michael Goldman, la QV 2022 du corps professoral est composée de personnalités de premier choix. Si tous sont de grands habitués du monde artistique, Yanni Marshall, professeur de danse au tempérament affirmé et aux interventions comiques, est très proche de nombreuses célébrités. Collaborant avec Kamel Ouali sur la comédie musicale Le Roi Soleil au début de sa carrière, il a également un lien particulier avec Céline Dion, pour qui il a dansé en 2018. Au-delà de ses relations avec le chorégraphe qu'il remplace et la chanteuse québécoise, Yanni Marshall est également un grand ami d'une célèbre actrice américaine qui n'est autre qu'Hélène Pompeau. Le danseur franco-britannique s'était notamment confié sur sa relation avec l'interprète de Melody Gray dans un entretien avec Le Parisien. Après sa participation à l'émission Britain's Got Talent en 2014, le danseur s'était fait connaître à l'international grâce à ses chorégraphies postées sur les réseaux sociaux. Des vidéos qui n'avaient pas laissé indifférente Hélène Pompeau qui, admirative de son talent, l'avait contacté. « Elle m'a invité à dîner et a proposé de lancer ma propre télé-réalité », a-t-il déclaré dans les colonnes du Parisien. Même si ce projet télévisé n'a jamais le jour, Yanni Marshall paraît toujours très proche de celle qui a récemment pris ses distances avec Grey's Anatomy. À l'occasion de l'anniversaire de l'actrice ce jeudi 10 novembre, il s'est emparé de son compte Instagram pour poster plusieurs clichés révélant une grande amitié peuplée de fêtes et de rires entre les deux artistes. En légende, il écrit « Joyeux anniversaire à ma marraine, ma camarade. Tu me manques tellement. S'il te plaît, viens à Paris comme hier. Je t'aime toujours. Ça fait trop longtemps, c'est vraiment ridicule. » Une amitié couronnée de paillettes et de succès.